Ah, mais du petit écran, bonsoir. Ce soir, on reçoit un monument gigantesque de la culture haïtienne au nom de Fritz Valesco, connu surtout dans tout dernier portfolio, Coco Petite Feuille. Donc, c'est avec plaisir que ma petite feuille, bonsoir. Et dis, bon, mon cher, bien content de rencontrer vous. Bon, mais c'est partagé parce que depuis une petite, je ne sais pas qu'il a joué, depuis une petite, je regarde petite feuille. Bon, je dis en là, nous allons annoncer deux, trois bons bagailles. Mais tout d'abord, je voulais pour nous faire ou bien refaire connaissance avec ce géant. Ah. Pas modeste, son géant, courrier. Ok, et un vétéran de la télévision, un vétéran de la radio, un vétéran de la culture haïtienne. Son monument gigantesque. Je voulais vous tout pour entendre ça. Donc, Valesco, Fritz, petite feuille, parlez-moi de vous. Qui est Fritz Valesco? Ah, on mettait mon petit soulier, moi. Bon. Ma présumé pour Fritz Valesco, fête la ville Jacmel. De Jacmel, moi, je viens de rentrer Port-au-Prince avec famille, moi. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail famille. Oui. Parce que famille, je me dis qu'elle est coupée en deux morceaux. En deux morceaux. Moi, je rentre Port-au-Prince avec ma tante, moi, bon côté papa, moi. C'est là que ça s'est passé toute vie, moi. Je viens de faire va-et-vient à Jacmel par une force de circonstances. Eh bien, Fritz Valesco, moi, habité Port-au-Prince, moi, fait l'école, moi, Port-au-Prince. Je fais l'université. L'université, moi, c'est la vie. Oui, c'est plus gros université. Oui, l'université, moi, c'est là où il y a. C'est contact, moi, rencontrer avec des gens. Et moi, rencontrer tout partout, en haut ou en bas, à gauche ou à droite. Moi, fait théâtre. Je viens de commencer connu, c'est grâce à pas aux amis seulement, c'était mon frère, François Latour. Oui, très connu. Il jouait moi dans le Conservatoire National d'Art Dramatique. Il a joué Caligula pour la première fois dans un concours de théâtre qui t'a fait à l'Institut français. Il remarquait que moi j'ai un talent. Bon, nous venons collaborer ensemble. François Latour vient nous créer. Théâtre National d'Haïti, c'est avec lui que nous jouons toutes pièces. Nous devons jouer près d'une quarantaine de pièces de théâtre. Nous jouons New York, nous jouons Martinique, nous jouons Port-au-Prince, nous jouons pièces créoles, français, nous jouons Bouquille en paradis de Franck Fouché. Première pièce théâtre Franck-Étienne, c'était tout faux banc. C'est moi qui jouais avec François Latour. Moi, je viens faire radio, je me dérape la radio au Port-au-Prince. C'est là que je viens de faire une petite feuille. Petite feuille. En tant que radio Port-au-Prince, je rentre Télé Haïti. Et je suis capable de dire que c'est l'unique parce que c'est le premier individu qui parle dans deux radios et en même temps. Et la télévision. Et la télévision. Je viens de faire une émission dans la radio Métropole le dimanche. Et Radio Port-au-Prince, c'est chaque jour. Et puis, Radio Port-au-Prince vient craser. Moi, j'étais Télé-Haïti. Télé-Haïti, c'est le tremblement de terre qui m'était dehors. Parce que Télé-Haïti vient démantibiler. Ils viennent vendre l'autre acheteur, l'autre actionnaire, l'autre propriété. Bon. Moi, retourné à la source. Actuellement, la radio Kiskeya continue à faire papier l'histoire, raconter l'histoire d'Haïti. Moi, j'ai une émission qui passait chaque jour, du lundi au jeudi. On va écrire livre. Là. Bon, plusieurs mon ont dit m'écrire. Moi, écrit la petite histoire, la cuisine de l'histoire, mais beaucoup mettez-les sous presse. Sous presse. En tout cas. Pour ça, m'écrit déjà, je pense que je suis capable de gagner deux volumes, deux livres. Qui fait, je quitte là si, par accident, je suis parti avant l'heure, peut-être, petit, moi, va continuer. Mais, parallèlement à la radio, parallèlement à théâtre, moi, je vais faire une mission.
c'est Jacques Mel, c'est ça qui cause que j'ai rencontré Jodia. Moi, mettais une école de musique sous pied. Bon, école de école musique. Il gagne 23 ans, il gagne 24 ans. Eh bien, c'est Fritz Valisco. Bon, je merci pour toute information, ça. J'espère que tout le monde apprend, c'est que un petit coup d'histoire que nous avons fait là. J'espère que tout le monde apprend de tendre un peu le bac pour qu'on tende en vent. Parce que tout le monde apprend de parler de Fritz Valisco, Petite Feuille. Mais il dit nous côté Petite Feuille la sortie. Qu'on a nous arrivé exactement côté que. Parce que moi-même, je ne suis pas musicien. Mais qu'on a on parle de l'école de musique, donc où ça tue être. Qu'on a l'école de musique qui est Jacques Mel. Oui. Jacques Mel, qui depuis 23 ans, on parle de 24 ans, qui j'en le passé, qui sont fait avec lui, est-ce que c'est un projet personnel? Parce que j'ai eu à faire des entrevues avec, par exemple, que Gagui Despès, Maman Charles, je parlais de l'école ça. Gagui Despès. Oui, Gagui Despès. Donc je parlais de l'école là, qu'on a même cousin et espagnol là, ou bon en vivo, bon mal direct. Qui gère l'école de musique là, depuis 23 ans, sont fait là-dedans, sont accomplis. Parce que, ici, aux États-Unis, lorsqu'on parle, on parle de l'école de musique ou bien de programme de sport pour les jeunes, ce sont des projets de prévention de crimes, anti-crimes, ouais, pour élèves là, gain de temps pour. Bah, parce que l'émission, pas moins, que me fait dans l'autre programme, quand côté les cajou ou bien l'autre bagaille, les m'a parlé de musique, mais pensez que c'est un droit, son obligation du gouvernement, si mon ministère de la culture là, tu comprends ça, ce que j'ai fait, parce que dans le curriculum, un petit monde, depuis la primaire, il faut musique t'as la donne. Parce que la musique, il y a harmonie, la musique, il y a fraternité, la musique, il y a tout le bail. Donc, tu as peut-être réduit. En pile bagarre dans sa que n'a pour qu'on y a dans pays. Donc on parle de ça, nous content en pile et nous très fier que n'a parlé avec vous qu'on y a de ça. Et nous pas regarder qui ça nous fait avec ça pour continuer bah on support si nous ca aider pour que ça continue. C'est pas cap si nous ca aider. Nous pas faire. Nous doit aider. Nous doit aider. La raison pour laquelle que moi dit nous doit aider c'est pas l'école là où pour aider. Pour aider des dizaines de petits haïtiens à travers l'école de Saint-Baptiste. OK. Et bien mon cher Mabdon Bagay. Quand on parle là de mémoire, gagne un livre qui est publié, il y a l'autre livre qui vient écrit. Mais premier livre qui est écrit sur la musique haïtienne, c'est Constantin Dumervé. Qui écrit l'Ipsal, il paraît dans les années 50, quoi, c'est 54, c'était pour le tricentenaire de l'indépendance au bail de ce genre. Donc répète le nom pour tout le monde d'aller bien. Constantin Dumervé. Constantin Dumervé, ok, merci. Il écrit Histoire de la musique haïtienne. Ok. Mon cher, à travers l'Ipsal, nous voyons que président Fab-Nicolas Giffra, créer le Conservatoire de musique d'Haïti. En quelle année? Oh, j'ai fois monté après sous l'eau en 1960, 60, 61, 62, 1961, 62, 63. Parce que t'es fait monter au pouvoir, il fait venir des professeurs français pour venir enseigner le conservatoire. C'est eux-mêmes qui ouvrent le conservatoire. Qui apprennent des petits citoyens qui intéressés à la musique, étudier musique, pratiquer un instrument. Faut-il mentionner régression depuis le ça jusqu'à Kounia? Oui, nous régresser sérieusement. Mais ce côté ça, gain que me considérer comme le plus grand, c'est Oxyde Gentil. Okay, oui. Oxyde Gentil, grand compositeur, monsieur, c'est un génie en matière musicale. Oxyde Gentil. C'est le président Salomon qui encourageait le Well et puis l'envoyait en France aller au conservatoire de musique. Mais pour entrer au conservatoire de musique, c'est pas comme ça.
yo voyé en France pour rentrer dans le conservatoire là. Mais le conservatoire n'a pas dit que la prenne. Il faut le passer examen. Eh bien, Oxide chita devant au moins 4-5 personnages à bab, blanche. Ça veut dire de grands musiciens qui chita là, qui posaient monsieur des questions. Ils rentrent dans la salle, ils jouent monsieur Alien, et puis ils mettent les chaises de là, et puis l'élève Oxide gentil chita, et puis il a posé monsieur question. La préponde. Poser question, la préponde. Mais ça, c'est au point de vue théorique. Et puis, il y a gardé l'autre. Là, il est fini. Il n'a pas dit rien. Il a pliché la partition. Il y a 3 minutes pour les partitions. Donc, si la partition est gardée, et la flûte qui était jouée, et puis, il mettait sous le pupitre, et puis le prof flûte. Ah, il y a. Et puis, aussi, il dit, ah, il faut prendre. Monsieur Adjili, en français, qu'est-ce que vous venez de dire, monsieur Gentil? C'est Oxide qui traduit moins fou pour parce que l'haïtien remonté. Eh bien, pourquoi ça me raconte cette histoire ça? C'est pour montrer aux des générations de musiciens, Haïti baille des génies en matière musicale, mais ils ont passé inaperçus. Nous pas besoin de parler haut de Élie, de toute l'autre là. Nous avons une génération de musiciens, mais qui viennent perdre, qui viennent disparaître. Ils n'ont pas lu musique, ils n'ont pas écrit musique, ils n'ont pas composé musique. Qui fait, c'est un drame pour Haïti. Eh bien, l'école de musique de Saint-Baptiste l'a créée, et la statue que nous jouons là, l'a créée. Pour Haïti, pour la ville de Jacmel et pour la jeunesse haïtienne. Si vous êtes au Caire, Jérémy, au Cap, vous venez pour vous un côté à dormir, vous allez recevoir l'école. Après un petit moment, une petite parenthèse. Et vous connaissez des milliers de monde qui ont regardé nous là. Pour répéter le nom, l'école de musique Jacmel là. Très lentement pour mon entendre, pour si ça avait écrit, écrit. École de musique Desex-Baptiste. Desex-Baptiste. Desex. Desex. Mais qui est mon monsieur Desex-Baptistien? Voilà. On ne connaît pas. Grand pile qui ne connaît pas. Mais musique qui jouait toute la nuit, toute la journée. Par occasion. Les 18 mai arrivés Desex-Baptiste dans la rue. C'est lui-même qui composait Fier Haïti. Fier Haïti, c'est hymne de la jeunesse haïtienne qui écrit sous le gouvernement du président Vincent. Vincent a associé la jeunesse avec son ministre de l'Éducation nationale qui était M. Dumas Estimé. Il a associé fait du drapeau qui le 18 mai, ils voulaient associer lui avec la jeunesse. Qu'on est là, ils auraient les lits, fête du drapeau et fête du drapeau et la jeunesse et l'université oui, associés tout ensemble. Mais ils voulaient faire un hymne. Ils ont organisé un concours national de musique. Concours national de parole, de poésie. Eh bien, c'est Oxide Gentil qui primait comme lauréat pour musique là. Et parole, Fier Haïti, c'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits, demain, la gloire d'Haïti. Maintenant, si nous sommes capables de parler demain de la gloire d'Haïti. Bon. Bon, ça, c'est un bail qui est très douteux. Ouais. Non, mais. Il va y réfléchir. Il va y réfléchir. C'est pas pour rappeler, mon Dieu, que, mesdames, messieurs, et c'est une entrevue d'un monument gigantesque, parce que non seulement une entrevue à historique, mais salade dit autour historique. Moi-même, moi, imbu de l'Aïsaïo, même grand pile bagage que je ne connais.
Par exemple, lorsqu'on parle de toute qualité de gros musicien ça, que le pays d'Haïti bail, alors l'an dernier, entrevue que je fais, il y a un musicien qui rappelait que par exemple Ernest Lamy qui était là, l'orchestre, qui était au Canada avec Joe Trujillo, monsieur a fait comme c'est ça qu'il a fait pour le vivre, monsieur est allé à Saint-Domingue pour le travail. Ils sont professionnels. Et là, monsieur paraît, alors c'est pour corroborer son diable, au point de vue de force de musicien à l'époque. Oui. Le chef d'orchestre a bat monsieur partition sur le piano. J'ai monsieur exécuté l'an 2 à 3 minutes là, chef d'orchestre descend chez là, il dit non, je ne suis pas chef d'orchestre, c'est le chef d'orchestre. Et puis le bas, monsieur dirige l'orchestre, parce que ça, monsieur fait sous piano, il y a son bagaille au niveau net. Oui. On parle de non, l'ami. Mais si c'est. Et dit, si c'est pour me battre une anecdote, mon cher. n'a pas cette toute émission à l'anecdote. Moi, pas le baron, l'autre anecdote qui est très important. Mais avant, faut nous rendre grâce à M. Édouard Tardieu. C'est lui-même qui écrit parole, fier Haïti, Édouard Tardieu. Qui fait musique là, c'est Desex Baptiste, Jacques Méliard. L'école a créé, n'a pas cherché non pour nous bailler l'école là. Moi, je voulais bailler Oxygenti. Monsieur Aoui dit non, nous pas capable de faire Oxygenti, c'est pour nous porter le nom de Jacques Méliard. Il y a des sexes baptistes qui écrit Fier Haïti, c'est lui pour nous porter le nom. Je dis entièrement d'accord. C'est ça. Entièrement d'accord. En parlant de ça qui arrivait. Nono Lamy à Santo Domingo. Hein. Sous le gouvernement de Flavie Hippolyte, il y a un bateau de guerre allemand qui rentre. Bateau de guerre la rentrée, yo invité le président et son gouvernement à bord. Il a fait une fête pour lui. Capitaine bateau a mandé l'ambassadeur allemand, mandé gouvernement international. Oh, catastrophe. Haïti pas gagné une nationale. Comment là, tout ministre réuni, discuté, il dit non, c'est pour nous louer le chef d'orchestre. Et puis, le ministre là, dit président, mais fatigué, c'est vous chercher le chef d'orchestre du palais, qui était Oxygenti. Oxygenti. Oxygenti, il tendait, il dit bon, nous sommes fatigués, non. Il y a une poésie que Oswald Durand a écrit, lire l'épopée des aïeux. Nous avons travaillé sur lui, il a en tête. Moi, vous voyez, dit l'ambassadeur, que demain matin, vous voyez, il national la vie. Oxy passé toute nuit là pour écrire l'épopée des aïeux. Pièce la fin écrite, vous voyez, partition, capitaine bateau. Dans la soirée, faites-la ouvrir avec l'hymne national pays d'Haïti. Ça veut dire épopée des aïeux que vous avez choisi comme salut présidentiel. Là. C'est lui-même qui était premier hymne national pays d'Haïti. Qui fait la Dessalinienne vienne remplacer lui, c'est à partir de 1904 pour fêter les 100 ans de l'indépendance. Mais dans la soirée, ça. Bateau a été gagné, Fanfa Pali, bateau allemand, avec chef d'orchestre. La fanfare du palais est montée à bord bateau pour la cérémonie. Les deux chefs d'orchestre entendent. Allemand a commencé à jouer, Oxygenti avec palais a joué après, il jouait deux pièces, trois pièces à tour de rôle, à Lévini comme ça, il a mis animation la soirée. Et puis, un petit moment, Oxygenti, ouais, chef d'orchestre allemand, vini avec une lot partition. Il dit, nous n'arrêtons jouer musique ça pour nous. Oxygenti dit, pas de problème. Il prend lot partition, regardez. Il dit, premier trompette, mais
deuxième trompette. Là, il garde, ainsi de suite. Et puis il dit, premier trompette, sort ouais ça moi là. Il dit, oui, maestro, moi. Et au même flûte. Tout le bagage correct. Il dit, oui. Il passait tout orchestre là en revue. Pour dire, est-ce que ça est ouais la partition, est-ce que le correct pour vous? Il dit, oui, maestro. Et bien, il dit, en allez. Et puis, monsieur, levé même. L'elfine jouait pièce là. Chef d'orchestre allemand m'a demandé à assembler à Bad Bravo. Il dit, monsieur Oxide Gentil, nous arrivons en Allemagne comme grand chef d'orchestre. Nous jouons une pièce. Ou pas même prendre 5 minutes de lecture de partition avec musicien. C'est chapeau bas. C'est pour montrer où tu es un musicien. Un musicien vraiment de qualité qui connaît la musique. Là, il garde partition. C'est fini, oui. Il possède instrument, il possède partition, lecture et théorie. C'est fini. Délivré. Eh bien, c'est là nous garder nos ouais générations musiciens ça y fin disparaître. Et puis on l'autre bagarre encore. La misère. La misère. Grand goût. Et sous côté la misère, il y a un danger. Vagabondage, délinquance, toute qualité. Nous dit, si nous mettons instrument la mer, un petit monde, nous remplacer trompette là par un pont. Nous remplacer saxophone par une manchette. Nous remplacer toute violence là par un instrument de musique qui fait nous va gagner des haïtiens. Correct. Nous va gagner des musiciens et en même temps tout on va permettre de gagner vie avec la musique. Oui, c'est ça. C'est, bon. C'était but mission création bien. École de musique de Saint-Baptiste. Bon, mesdames, messieurs, il t'a pris un peu de temps pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons une organisation qui s'occupe des affaires haïtiennes. Council for Haitian Affairs. L'école de Saint-Baptiste, actuellement, vous connaissez, il y a Goumen chaque année. Il y a besoin d'équipement, il y a besoin d'instruments. So, nous faisons un partenariat, Council for Haitian Affairs, CHA. En français, CHA, avec des volontaires, un board member, comme on dit en anglais. Son mon le conseil là, la personne de Joël de Pierre, puis on l'autre volontaire qui est l'organisation Service Social Zao, c'est Émile Viard, okay, que nous avons pu se rencontrer. Monsieur Zao a travaillé ensemble avec le Council là. Pour nous capables de travailler pour façon pour nous développer un genre pour nous joindre instruments ou bien ressources financières pour acheter instruments pour l'école ça. Donc, n'a pas une pause d'en venir tout de suite. Salut tout le monde. Bientôt, n'a pas pour vous télé for Diaspora TV pour tout haïtien qui vit dans Port-Saint-Lucie en Floride. Et toute l'autre ville en voisinage. Vous pas besoin ni boîte ni internet. C'est seulement braquer entre-nous sur télé for Diaspora TV. Le ça n'a porté la caille en dedans caille. Pour plus d'informations, pas hésiter. Relez office nous dans 255 39 09 561 255 39 09. De rechef, nous avons en entrevue spéciale le grand, le gigantesque Petite Feuille que nous connaissons au nom de Valesco, Fritz Valesco. Donc, et Petite Feuille, nous retournons avec vous là, pour nous sortir un petit repos. Oui. Ça fait un plaisir. Oui. Et dit, vous sortez demander aux téléspectateurs si vous êtes capable d'organiser l'organisation là. Ou assistance
pour lui capable à travers l'organisation aider l'école musique Jacques Mel. Mais je voulais mettre mon nom en confiance. L'école de musique de Saint-Baptiste, c'est une école qui collabore, qui gagnait en pile accompagnement dans le passé. Mais malheureusement, tout accompagnement, ça a eu, il est là pour un temps. Il n'est pas là pour tout le temps. On seul qui était là pour tout le temps, depuis la naissance de l'école, qui pourrait avoir 24 ans, c'est la Focale. Focale bah, l'école là, ont assistance financière qui ont affaire de 10 000 dollars américains chaque année. Mais vu responsabilité l'école là, vulgairement, je suis capable de dire c'est très important, oui, 10 000 dollars. Mais c'est un grain de sable qui tombe dans la main. Nous gagnons assistance dans le passé, UNICEF, l'UNESCO. Au contraire, l'école a été même dérapée sous patronage d'UNESCO. C'est l'UNESCO qui premier ban nou instrument. 40 000 dollars américains que m'a acheté instrument personnellement la Sam H. Oui. Miami. Nous gagnons en pile organisation internationale, par exemple, bon, si nous prenons les ambassades, l'Allemagne, Japon, la France, les États-Unis, pas mal nous l'argent. Mais l'ambassade américaine facilite ben nous visa pour élèves. Avec contact grâce à une américaine qui a collaboré avec nous, nous voyons au bas. 25 élèves à l'étudier passer coup d'été, camp d'été aux États-Unis, ou bien à prendre formation. Il y a un qui prend formation pour 6 mois, il y a un qui prend formation pour 1 an, il y a un qui prend formation pour 3 mois. Nous avons une étudiante actuellement, c'est lui-même qui. Potomit dans l'école là, il est passé 3 ans à Cuba à étudier la musique. Instrument, c'est percussion. Actuellement, il est professeur de percussion. Et les nous comptons presque 25 élèves que nous faisons partie à l'étranger, soit en France. Et puis, il vient tout dans des cadres côté. Oui, mais. Vous aider l'autre, il y a rien qui arrêtait, il y a rien qui allait. Mais en tout cas, Gampil qui était. Gampil qui était, il y a un cas en France, par exemple, donc tu gagnes, nous toujours gagnons, mais à cause de maladie, que nous n'avons pas besoin même l'homme, non, ni maladie Madichon, hein, qui oui, cause que Madichon, nous n'avons pas voyé et étudiants en France à Strasbourg. Nous gagnons bon en tant que collaboration avec la ville de Strasbourg, qui est une ville française. Qui voyait nous chaque année 2 professeurs pour candidats que nous organisons, et puis chaque année nous avons un élève qui partit. Il y a la DCC, qui est l'organisation catholique française, tout, qui voyait 1, 2, 3, 4 Français, ils ont chaque vini pour 2 ans. 2 ans fini pour Français, ça, ils partit, on l'autre rentré pour 2 ans, des volontaires. Gagnez ses piano que lui jouait, gagnez ses guitares, gagnez ses clarinettes, gagnez ses violons. C'est pour dire que l'école de musique de Saint-Baptiste est reconnue à travers le monde. Par exemple, à travers l'UNICEF, l'orchestre symphonie de Berlin voit un instrument pour nous. Mais on peut dire moins que nous jouons un instrument. Mais qu'on est là, on a demandé la charité pour l'instrument. Ça fait nous besoin d'instrument. Eh bien, l'instrument, s'il a eu une grande durée de vie. Oui, grande durée. Il a passé de main en main, il a commencé à user, réparer, au dernier moment. Fini. Se mettre dans le dépôt, vous jeter. Qui fait, et l'élève a augmenté. Les nous disent, nous pas qu'on apprend. C'est vrai, nous obligés de prendre plus d'élèves.
Ça veut dire plus élève, c'est plus instrument. Parce que nous tient à ce que chaque élève ait un instrument dans la main. Ou pas qu'à observer un instrument à deux, ni à trois. Non. Ce n'est pas bon. Qui fait, là, nous, là, on véritable impasse, on véritable difficulté. Et difficulté toujours. Mais il faut me dire que, pour mettre mon nom en confiance, que l'école a créé une fondation. La fondation des sexes baptistes, c'est si jamais votre serviteur chapé d'aller, comme le poteau mi-temps, lui cassé, va y avoir un monde qui pour protéger l'école là, pour toujours continuer. C'est la fondation ça qui existait, et la fondation a acheté un carotin qui gagne plus que. Il y a plus que 10 ans pour créer une école d'art et de culture. Pour qui moun? L'école là, trois quarts de moun là, et ti moun là, oui. Ti moun, malheureux, pas capable, tout c'est gratis sur yon dans l'école là. C'est deux, trois graines qui payent, on ti rien du tout. Mais chaque l'école là, il pas de mouche pour parler. Kaote ça. C'était pour nous construire une école d'art. Côté nous avons pensé musique, théâtre, et danse, artisanat, et poterie, avec sculpture. L'école complète. C'est un rêve. Mais pour qui est-ce? C'est pour sauver les Haïtiens qui ont monté pour empêcher qu'ils prennent la rue pour sortir de parler là-bas, pour empêcher. Yo pas levé, yo pas donné ta coup djonjo. Qui fait pour qui ça me raconte tout ça? Moi dit téléspectateur ou ça. C'est pour mettre en confiance que au capable fort confiance si on rentre à collaborer avec l'école là et en même temps faire l'école la confiance. Bon, merci. Nous pas faire si n'importe nous pour l'entrée. Nous m'a dit sur les zones comme ça veut dire chairman comme directeur exécutif. Et CHA, CHA, council là, avec des membres du conseil, partenaires moi, et plusieurs mondes amis, moi, qui nous très collaborer, des frères, comme Joël de Pierre, on avec l'autre ami, j'aime te mentionner tout à l'heure là, Émile Viard, nous engager, abdisa sur les zones, nous engager pour nous entreprendre des activités. Là, pour l'école là, qui a bénéficié de ressources ou bien d'instruments. N'importe qui qui a attendu là, au moment opportun, est capable d'adresser nous pour nous capables d'aider l'école là, parce que son travail extraordinaire qu'il a fait depuis 23 après 24 ans. Si nous participons là-dedans, c'est un bas immoral de notre part. Parce que nous et le Council for Haitian Affairs, ça a son affaire haïtienne que nous n'avons pas quitté passer comme ça. Mais avant que nous faisons tirer, avant que nous étions. Et parce que vous connaissez le temps de faire la guerre. Et département de la culture en Haïti, ça le dit là-bas. Ça. Le ministère de la Culture, premièrement, l'y aide nous. Oh, ok. Mabdou Kijan l'y aide nous. C'est à travers la relation que nous avons avec le ministre. Relation. Nous voyons le budget annuel de l'école là-bas, des banons bourrades, des banons assistance. Si nous gagnons un problème quelconque, par exemple pour candidat, pour 18 mai, qui m'a dit un gros dépense, pour qui ça a un gros dépense pour 18 mai, nous avons sorti avec 4 fanfares qui pourraient jouer musique, nous inviter au moins 10-15 l'école pour accompagner l'école musique là pour faire tout le monde marcher au pas monter descendre bagage là faire belle parade dans la rue qui fait les revenus faut nous bailler au manger quoi sont dépenses nous pas vouloir rentrer la caillou vendre vide qui fait tout le monde manger bon. Correctement qui fait son bagage qui coûte cher je m'excuse ouais, c'est ça. Il est important pour moi de ça parce que c'est une entrevue que nous gagnons. L'aime faire entrevue l'autre monument,
côté que le département de la culture, le département ça n'est pas à 99% pas imbu de métier musique là et importance académique musique là et puis valeur et psychologique ça qu'elle fait pour tout le monde qui a étudié musique. M'a dit un bagaille. On va le faire rentrer l'autre histoire. Et au dimanche là m'a raccourci les choses. L'État, à travers le ministère de la Culture, a fait un effort. Ils voulaient bailler la musique là au coup de épaule. Là, qui sens? Gagnait M. Chavez, qui mourit malheureusement pour le diable, du Venezuela. Moi, aller au Venezuela, moi rencontré grâce à l'ambassadrice d'Autriche, Madame Dacosta, qui invitait moi au Venezuela pour me rencontrer avec M. Abreu, qui créait un mouvement musical au Venezuela qui vient mondialement reconnu. Moi rencontré avec lui et moi dit lui, mais ambassadrice là t'a déjà dit ça bah ça il dit le pas problème la aider l'école musique Jacmel la balle instrument la balle matériel toute qualité la balle professeur la pour chercher élève toute bagaille mais à la seule condition c'est accord l'État avec l'État c'est le problème là ça Madame Dacosta avec moi était pour nous mettre à genoux la pied M. Préval. À l'époque, avant Préval, ça n'a pas de capable de marcher parce que c'était une question politique. Quand il y a là, bon, on marchait les choses rapidement. On n'y a pas réglé sous Préval. C'est ce gouvernement Matéli. Que Matéli rencontre avec Chavez, il dit Chavez a fait musique là, t'as remé que au bal on coupe main pour le mettre musique là, j'en ai au Venezuela. Mais pour le mettre là, c'est à travers musique Venezuela, ouais. M. Abou, il a imposé l'école de musique de Saint-Baptiste. Il a dit oui, nous pour aller mettre un cas pour l'école de musique de Saint-Baptiste, c'est pour le programme là. Mon cher, l'école de musique de Saint-Baptiste a ses prérogatives recevoir au moins un demi-million de dollars d'instruments. Wow. Mais qui pas pour l'école là. Nous servions avec lui. Nous servions avec quelques matériels. Par exemple, Tempadi, Kirungo, Kesta, Kustabla. Qu'on joue dans un gros orchestre. Il y a deux jeux. Mais, Pigoua, ça va qui coûte de les 20 000, 25 000 dollars, on graine. On recevoir deux jeux. Jeu A, c'est de 4 timbani. Yo mettez un programme, ministère de la Culture sous pied, yon la hache, yon. Jacmel, dans l'école musique de Saint-Baptiste. C'est de Saint-Baptiste qui a géré le programme ça pour le ministère de la Culture. Il a bâillé pour le programme là 4 millions de gouttes. 4 millions de gouttes, c'est là, bâillé tout le monde au manger mercredi, jeudi, vendredi. C'est trois fois la semaine là qu'il vit. C'est 250. Nous bâillons au manger chaque jour. Et puis, ils ont payé professeur. Comme 4 millions de gouttes à passer dans le travail. Mais ma gouma avec eux, les trois petits. Les trois petits, parce que la vie a été tellement chère, professeur a au moins d'augmentation, et manger a été plus cher, qui fait cette tête chargée. Qui fait là, il faut nous rendre grâce. Mais c'est quatre qui peuvent gagner comme ça. De l'autre là, en veilleuse, instrument là, mais vous ne pouvez jamais mettre le sous-pied. C'est deux qui sont sous-pied,
yon nan Hesh, yon nan ville Jacmel. Mais c'est ti moun ki la orphelina, ti moun la quartier populaire qui rentre en dans programme là. C'est pas l'autre ti moun encore. C'est pas l'autre ti moun, c'est ça. Oui. En tout cas, petite feuille, n'a pas obligé camper, n'a pas obligé aller. Vous faites une introduction extraordinaire, nous annoncer mission CHA qui parle travail pour l'école de musique de Jacques Mel là. OK, ça moi dit le, pour sur les zones pour tout le monde entendre. Donc pratiquement et j'ai l'impression m'espérer que c'est nous pas reparler encore dans un avenir qui pas trop long parce que là nous commencer gain progrès n'a Québec n'a pété mon au courant parce que n'a passé le n'a gain une émission spéciale pour ça. Ouais pour l'enchar. Oui, on a passé l'antélecajou, etc. Dans l'Haïti, diaspora, tout le bagage. Parce que nous sommes censés. Donc, il y a l'heure venue pour moi de te dire merci. Et parce que c'est. Si on a l'autre mot, et de par finalement, il y a un mot de la fin, un mot de. Pour conclure cette entrevue, okay, avant nous. Parce que nous avons aucun pour repartir tout le bagage comme ça. Donc, pratiquement, tu as le micro. Eh bien, c'est moi pour remercier vous. Ma remercie personnellement, mais ma remercie pour 1200 personnes qui fréquentaient l'école de musique de Saint-Baptiste. C'est ça. Nous n'ont pas capable de dire que tout a venu un grand musicien, nous n'ont tout pas capable de dire a venu musicien, mais en tout cas, grand pile qui capable chaper et nous capable de dire l'école de musique de Saint-Baptiste rêve que le gagné. Il n'est pas noyé parce que ou capable au moins des 4 ou 5 orchestres fanfares funèbres dans la ville de Jacques Mel, ils tous ces élèves l'école. L'armée que monsieur le président qui décédé a mettait sous pied, tous les musiciens, c'est l'école musique Jacques Mel. Aller là fanfare palais national trois calades c'est l'école musique Jacques Mel qui fait nous permettre en pile ti malheureux voine une façon pour gagner vie avec honneur et dignité qui fait c'est pour ça que nous mandons ba yo assistance sont capable aider au ramasser dignité yo. Ramasser de rivio à travers un instrument de musique, à travers son capable faire. C'est pas pour moi, ni M. Eddy, ni pour l'organisation, non, mais c'est pour Haïtiens pareils. Qu'on a fait un effort, ou dit, Tembali, Tembalou assistance, Tembalou bourade. Mon cher, merci beaucoup. Le fait est que vous servez de pomme voix. C'est ça, c'est nous ça. Nous ne parlons pas les langues vives. Non. En tout cas. En tout cas, merci, Fritz. Donc, mesdames et messieurs, je souhaite que les gens qui représentent le gouvernement, l'ambassade et le consulat, ils attendent de prendre note que la nécessité pour le gouvernement de prendre responsabilité. Pour faire travail anti-crime, ça, travail de formation des jeunesses, de la jeunesse. Et on a souhaité que nous-mêmes, qui l'a captandé, pour ne pas hésiter une minute pour nous participer, nous mettrons les councils là, c'est 786-316-8518. 786-316-8518. Moi-même, ou bien monsieur Joël Depierre, ou bien Émile Viard, n'a pas été accepté appel pour nous faire ce qui est nécessaire pour nous faire barrer le marché. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que l'émission vous a plu. Et donc, c'était Eddy Altiné pour cette émission spéciale avec ce monument gigantesque de la culture haïtienne au nom de Fritz Valesco, Petite Feuille. À bientôt.